niveau master, c'est-à-dire Bac plus 4 et Bac plus 5, on a une formation en sciences atmosphériques au sein de l'école de l'OPGC. On est sur le campus des CESO, campus très verdoyant, au bord de la ville de Clermont-Ferrand, qui fait une bulle de vie étudiante. On vit entre étudiants et chercheurs au CESO. Tous les étudiants peuvent venir en tramway. C'est un campus scientifique, sportif, qui s'est beaucoup modernisé, avec des lieux d'enseignement, des lieux de cours qui sont tout neufs. Les étudiants qui sont avec nous viennent avec des profils très différents, soit des sciences de la Terre, soit de la physique et la chimie, puisque c'est une science qui est à l'interface de plein de domaines scientifiques. Niveau master, les cours sont beaucoup moins académiques. La promotion est plus petite, de 10 à 15 étudiants. C'est beaucoup de travail par projet. C'est des professeurs à votre écoute qui vont vous aider à faire aboutir vos projets personnels. À Clermont, on est des spécialistes de l'étude des nuages, de la composition atmosphérique et comment elle interagit avec les nuages. Donc c'est des choses qui vont se mesurer et qui sont spécifiques à la formation de Clermont-Ferrand. Environ un cinquième des cours, 20%, sont donnés par des professionnels. On va aller sur le terrain, apprendre à maîtriser les outils technologiques, techniques, pour voir comment on déploie les instruments et vraiment mesurer. On va passer 3-4 jours au sommet du Puy-de-Dôme où on a un chalet, le laboratoire de recherche. On fait directement les mesures en conditions réelles. Quand les étudiants vont sur le chalet du Puy-de-Dôme, ils ne vont pas dans un laboratoire qui a été construit uniquement pour enseigner. C'est notre outil de recherche. Donc quand on est au sommet du Puy-de-Dôme, on est comme un chercheur apprenti. Le lien avec le professeur est différent. On va rester les 3 jours, mesurer la nuit comme des chercheurs le font, avec des instruments à la pointe de ce qui se fait au niveau international.